Bonjour, ce numéro d'aiguillage modélisme est consacré au réseau d'Étienne Chelmignac. Saint-Charles-de-Bastien est un réseau en HO d'inspiration libre tant en termes de décor que d'époque, né dans le sous-sol de la famille des Chelmignac. Étienne est en effet le fils de Laurent, responsable de la section modélisme au chemin de fer du Creusot, avec qui vous avez eu l'occasion de faire connaissance dans le numéro 38 d'aiguillage, publié il y a un peu plus d'un an déjà. Le réseau était présenté à Bron en novembre dernier, à l'occasion de la bourse de modélisme ferroviaire organisée par l'AMFL, l'Association des modélistes ferroviaires du Lyonnais. Je l'ai construit avec mon père, donc on a commencé il y a 6 ans, donc c'est lui qui m'a donné le virus du train. Ouais, je sais pas comment. Hein. Depuis tout petit, je suis dans le train. Bon, au début, mon père il avait fait un petit réseau dans le sous-sol. Puis un jour, je l'ai un peu plus avancé au niveau du décor. Il m'a dit on va en recommencer un nouveau. C'est parti de là. Donc il a conçu la menuiserie. Quoi. Il m'a aidé à poser la voie, faire l'électricité. J'ai fait le décor. Ouais. On a fait le tracé comme ça, pour qu'il soit pratique pour les expositions. Ouais, il y a 9 modules. Au début, il y en avait 7. Et donc après, quand on a fini les sets là, on s'est attaqué à l'extension du dépôt.
Un peu loin.